Bah, merci beaucoup d'être venu d'abord. Donc, il y aura 4 cours, c'est ça, il me semble, de 2 heures. Mon but, c'est d'essayer de vous donner un petit panorama sur le modèle d'Ising, qui est un modèle très, très classique en physique statistique. Et je vais essayer de rester accessible aux non-probabilistes et aux gens qui n'ont jamais fait de physique statistique. Donc, en particulier, n'hésitez pas à m'interrompre et me poser des questions s'il y a des concepts qui vous échappent. Si j'écris mal ou si je vais trop vite, enfin, n'hésitez vraiment pas, je pense qu'on est, on a suffisamment de temps pour pouvoir répondre aux questions. Donc le but, ça va être, en fait, le modèle d'Ising, vous allez voir, je vais le définir, etc. Il y a beaucoup de façons d'approcher ce problème et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le modèle d'Ising. On peut le faire à base d'algèbre, à base de géométrie, à base de probabilité, etc. Mon but, c'est d'essayer de vous présenter une approche qui a été introduite dans les années 80. Donc, ce n'est pas du tout l'une des premières approches sur cette chose-là, mais qui est très, très puissante et qui, en fait, s'inspire un peu de tous ces domaines. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la combinatoire, il va y avoir ce qu'on appelle de l'intégrabilité. On va utiliser les propriétés d'intégrabilité du modèle, etc., etc. Donc, c'est ce que je veux faire. Mais avant, aujourd'hui, ce que je vais surtout faire, c'est vous définir le modèle et vous donner un peu une motivation en vous donnant un aperçu de des résultats qu'on va montrer en fait, dans les autres cours. Donc, définition et motivation. Donc, la motivation principale, c'est d'essayer de comprendre les phénomènes de ferromagnétisme. Et en particulier, la température de Curie. Donc, Curie, Pierre, avait découvert que lorsqu'on met un aimant à température ambiante, non, ça, il ne l'a pas découvert, ça, tout le monde le savait, mais si on met un énorme aimant, et on met un petit aimant au bout d'une tige à température ambiante, cet aimant va être attiré par l'autre, ou repoussé en fonction de comment on le place. Donc là, on va dire attiré par l'aimant à température ambiante. Donc, cet aimant crée un champ magnétique qui attire cet aimant. Mais si on passe au-dessus d'une certaine température, si on se met à chauffer cet aimant, donc disons que là, si on met à chauffer cet aimant au-dessus d'une certaine température TC, l'aimant va perdre son aimantation. Il va cesser d'être attiré par l'énorme aimant. Le champ magnétique n'est plus suffisant pour créer une aimantation de cet aimant. Si on laisse refroidir l'aimant à nouveau, donc il va tomber ici, si on laisse refroidir l'aimant à nouveau, il va de nouveau être attiré. D'accord ? Donc, il y a une transition entre ce qu'on appelle un matériau qui va être ferromagnétique et un matériel qui va être paramagnétique, dans le sens qu'il est attiré que quand le champ magnétique est suffisamment fort. Donc, notre but, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y aurait une température critique, pourquoi, en fait, on ne serait pas toujours attiré à n'importe quelle température ou jamais attiré. D'accord ? Et afin de comprendre ça, donc ça c'était à la fin du 19e, afin de pouvoir comprendre ce phénomène, Lenz introduit en 1920 le modèle d'Ising que je vais vous définir maintenant. Donc ce qui va prétendre, c'est que votre aimant est fait de petits atomes, que chaque atome se comporte un petit peu comme un aimant dans le sens qu'il pointe soit vers le nord, soit vers le sud. Donc disons que j'ai un graphe G. Pour chacun, donc je vais voir un aimant, si vous voulez, dont les atomes seraient sur les sommets de G. Je vais voir comme une configuration sigma. Donc sur chaque sommet, je mets une variable sigma x. Et sigma x va juste prendre la valeur plus ou moins 1. D'accord ? Donc, il pointe soit nord, soit sud, soit vers le plus, soit vers le sud. Donc, sigma x, ça va être le spin au sommet x. Et sigma, ce sera la configuration de spin. C'est ce qu'on imagine être notre aimant. Donc, c'est sigma, hein, c'est un élément juste de plus ou moins 1 à la puissance Vg. Donc ça, c'est notre aimant qui est dans un certain état. Les atomes ont soit un spin plus, soit un spin moins. Maintenant, je dois vous dire ce qui va être l'énergie de votre aimant.
Donc l'énergie, on va l'imaginer comme suit. On va définir l'énergie d'un... écrivons là. L'énergie d'une configuration sigma. Bon, on va suivre l'intuition la plus logique qu'on pourrait avoir. Ah oui, j'écris vite, alors peut-être vous me dites si j'écris trop vite, d'accord? Si vous n'arrivez pas, pour ceux qui ont envie d'écrire, à suivre. Donc, ce qu'on va dire, c'est que deux atomes qui sont proches l'un de l'autre, ils veulent pointer dans la même direction. Hein, le pôle nord d'un atome va être attiré par le pôle sud de l'autre, donc ça va ils vont s'aligner, comme ça. Donc, j'aimerais que l'énergie d'une configuration soit d'autant plus petite si les atomes sont alignés. Enfin, les atomes voisins. Donc du coup, je vais définir ça comme moins la somme sur toutes les arêtes de mon graphe de sigma x, sigma y. Donc vous voyez ça, c'est soit 1, soit moins 1 en fonction du fait que les deux voisins sont alignés ou pas. Donc ça, c'est quoi? À une constante près, c'est juste deux fois le nombre de voisins qui ne sont pas alignés. D'accord? Donc effectivement, on voit que l'énergie, elle va être minimale si tous les atomes pointe plus, ou sous tous les atomes pointe moins. C'est les deux, ce qu'on appelle les ground states, les configurations d'énergie minimale. Alors juste, parce que ce sera plus simple pour moi à écrire, cette chose-là, dans la suite du cours, je vais juste l'écrire x tilde y, comme ça. Ça veut dire x et y voisins dans mon graphe. Et on ne met pas une constante de couplage? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me restreindre au model d'Ising ferromagnétique, dans le sens qu'on a envie que les atomes s'attirent, et nearest neighbor, donc de plus proche voisin. Donc si vous voulez la constante, donc en général, donc pour répondre à la question, donc on va faire une parenthèse, hop, on va utiliser le bleu pour les parenthèses. En général, on écrit moins la somme de j de xy, sigma x, sigma y, pour toutes x et y dans VG. C'est-à-dire qu'on ne se restreint pas du tout au fait d'avoir des voisins. Par contre, on va dire, bon, bah, entre x et y, entre deux sommets, il y a une certaine force de couplage entre les deux sommets qui va être plus ou moins forte. On s'autorise à ce qu'elle soit différente en fonction de la paire de sommets. Et ce que je dis ici, quand je prends plus proche voisin, c'est que je vais juste décréter que j de xy, c'est 1 si on est voisin et 0 si on n'est pas voisin. C'est une petite simplification, mais pour là, on n'a pas suffisamment de temps pour aller dans la théorie, on va dire, des modèles qui vont être non plus proches voisins. Mais c'est une théorie très très intéressante. En fait, beaucoup de ce que je vais raconter se généralise trivialement à des modèles à longue portée. Donc voilà, ça c'était une parenthèse. Voilà, donc j'ai mon énergie. Donc maintenant, je suis un probabiliste, j'ai envie de... tirer, de dire, bon, je ne sais pas vraiment dans quel état est mon aimant, donc je vais dire qu'il est dans une configuration aléatoire et que la probabilité de cette configuration doit être plus ou moins inversement proportionnelle à son énergie. Plus l'énergie est grande, plus la probabilité devrait être faible. Donc, définition. Donc, la mesure de probabilité, juste, je vais employer la notation physique, donc je vais définir l'espérance de ma mesure. D'accord? Donc, je vais dire, donc la mesure de proba du modèle d'Ising sur le graphe G à température inverse. Alors je vais peut-être avoir des problèmes avec le français à certains moments, je n'ai pas l'habitude de donner le cours en français, donc il ne faudra pas se moquer de moi. Enfin, vous pouvez vous moquer de moi d'ailleurs, ce n'est pas grave. À température inverse bêta, ce sera la chose suivante. Donc la moyenne d'une variable aléatoire x, puis ici je vais mettre un petit f, vous comprendrez pourquoi dans deux minutes, ça va être juste 1 sur une constante de renormalisation qui dépend juste de g et de bêta. Et là je vais faire la somme sur toutes les configurations de spin de x de sigma fois exponentielle de moins bêta fois l'énergie. Voilà, donc ça c'est ma mesure de probabilité et je fais ça pour toutes les fonctions x qui vont, disons, de plus ou moins 1 puissance vg dans r, des fois on ira peut-être dans c, peu importe. D'accord? Donc c'est quoi en gros la probabilité d'une configuration va être proportionnelle à exponentielle de moins bêta fois l'énergie. Ça s'appelle une mesure de Gibbs.
Donc le bêta, c'est un paramètre qui nous permet de dire à quel point on prend en compte l'énergie. Vous voyez, si vous prenez bêta égale l'infini, ça veut dire qu'on veut vraiment cette mesure, c'est quoi? C'est la mesure qui va se concentrer sur les ground states, sur les états d'énergie minimum. Du coup, plus et moins, enfin, tout plus ou tout moins. À l'inverse, si vous prenez bêta égale 0, ça veut dire que vous ne prenez pas du tout en compte l'énergie et vous êtes juste une mesure uniforme. D'accord? Voilà, donc ça, c'est la définition de mon modèle. Et juste pour une terminologie que je vais utiliser, donc Z, F, G, bêta, c'est ce qu'on appelle la fonction de partition du modèle. Et elle est très facile à écrire en fonction de ça, c'est juste la somme sur sigma plus ou moins 1 puissance VG de l'exponentielle de moins bêta fois l'énergie. D'accord, on veut juste... Mon but, cette constante de renormalisation, c'est parce que je veux une mesure de probabilité. Donc pour x égale 1, je dois tomber sur 1. Fait que l'indice f, il réfère à quoi ? Alors, je vais vous dire, c'est une très bonne question, je vais vous dire ça dans une minute, quelque chose comme ça. Donc juste, la remarque d'avant, c'est que je voulais juste écrire en fonction de ça. Donc c'est ce qu'on appelle hein, le... Ça va être un modèle d'Ising ferromagnétique. Dans le sens que les spins ont tendance à s'attirer. Et si vous aviez pris ce type de modèle, vous voyez que ça correspondrait, ce serait le cas intuitivement si je prends tous les J de XY positifs ou nuls. On a envie vraiment de pousser les spins voisins à être dans la même direction. Et c'est de plus proche voisin. Voilà, donc ça c'est juste pour mettre la chose. Au fait, petite question, le graphe, il est toujours fini, Alors pour l'instant il est fini, hein, on est d'accord, si on veut pouvoir définir cette quantité-là, il faut qu'il soit fini. Il est connexe, Ça on s'en moque. Ça, là, c'est n'importe quel graphe fini. Après je vais vous expliquer ce qu'on va vouloir faire, mais pour l'instant c'est n'importe quel graphe fini. Alors, justement, là, il y a un petit truc qui est, entre guillemets, une complexité dont on n'a pas vraiment envie dans cette mesure, c'est qu'elle est symétrique par plus ou moins. On peut flipper tous les spins, la valeur de tous les spins, on aura exactement la même mesure de probabilité. Donc, on a envie de casser cette symétrie. Donc, ça, c'est la première chose, on a envie de casser la symétrie entre plus et moins. Et la deuxième chose, effectivement, on aimerait, en physique, hein, un aimant, ça va être, il y a énormément d'atomes dedans, donc on aimerait prendre des très grands graphes, et de façon plus générale, on aimerait en fait prendre des graphes infinis. Donc pour faire ça, je vais essayer d'éviter d'avoir à définir la mesure en volume infini, donc je vais passer un tout petit peu autour de ça, mais de façon générale, je vais avoir envie de prendre G, un sous-graphe fini de ZD. Donc je prends juste le réseau dont les sommets c'est z à la puissance d, et les voisins c'est les plus proches voisins, donc c'est les gens qui sont à distance L1, 1. D'accord? Donc je vais prendre un sous-graphe de ça, et je vais casser la symétrie de la façon suivante. Ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer en quelque sorte que mon aimant, qui est sur ce graphe G, il est plongé dans un monde de plus. C'est-à-dire que tous les spins en dehors de mon graphe sont plus. Donc je vais faire ça comme ceci. Ici, je vais rajouter un terme. Je vais rajouter moins la somme pour x sur le bord de mon graphe. Je vais vous dire ce que le bord du graphe est dans 2 secondes. Et je vais appeler ça le Hamiltonien avec condition au bord plus. Je vais vous dire ce que c'est là. Et du coup, je vais ici définir la mesure avec condition au bord plus. Juste en regardant le Hamiltonien plus. Donc qu'est-ce que le Hamiltonien avec condition au bord plus? Enfin, qu'est-ce que le bord? Donc le bord du graphe, c'est exactement les sommets du graphe. Tel qu'il existe un sommet qui n'est pas, donc un sommet qui est dans ZD privé de VG, tel que X est voisin de Y. Donc c'est tous les sommets qui ont un voisin en dehors de mon graphe.
Donc si vous réfléchissez, cette mesure, c'est quoi? C'est exactement le hamiltonien de la configuration où vous prenez votre configuration dans G et en dehors, vous mettez tout plus. C'est juste si je l'écris comme ça, le problème, c'est que pour chaque voisin, là, je vais avoir moins l'infini. Mais si je compte le nombre de voisins qui ne sont pas d'accord, ce sera exactement ça. Donc, peu importe. En tout cas, je prends ça. Donc, ça casse la symétrie entre les plus et les moins. Et en quelque sorte, ça favorise les plus. Parce que sur le bord, les voisins, enfin, les sommets qui sont sur le bord ont plutôt envie d'être plus que moins. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir définir, en fait, ce qui va être l'objet le plus d'intérêt principal pour nous, qui est la magnétisation. Donc on a envie de dire, est-ce qu'un aimant va être magnétisé ou non? Et pour mesurer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la moyenne du spin à zéro. Donc je prends x comme étant juste la variable aléatoire qui me donne le spin à zéro, au sommet zéro. Disons que zéro est dans, on va dire que zéro est dans g. Bon, peu importe, on va regarder. Lambda n, ce sera moins n, n à la puissance d. Donc je vais regarder le spin à 0 dans la boîte de taille n quand je mets des conditions plus au bord. Donc cette chose-là, si je n'avais pas mis la condition plus, si j'avais mis free, ce serait 0 par symétrie. D'accord ? Puisque je mets plus et que mon modèle est ferromagnétique, cette chose, au moins intuitivement, pour l'instant ce n'est pas une preuve, mais intuitivement on a envie de dire que ça va être positif, strictement. On est vraiment en train de favoriser les plus. Mais maintenant j'ai envie de regarder l'infimum sur n, ou si vous préférez, si vous ne voulez pas prendre l'infimum, prenez la limite, enfin, en fait, ce serait plutôt, prenez la limite quand n tend vers l'infini, c'est-à-dire repousser les conditions au bord de plus en plus loin. Donc, effectivement, il y a une cassure de symétrie, mais on a envie de dire qu'elle est de plus en plus faible, cette cassure de symétrie. La question, c'est est-ce que, à la limite, j'obtiens 0 ou non? Est-ce que j'ai vraiment, est-ce que je perds la cassure de symétrie ou pas à la limite? Donc cette quantité-là, donc ici, puisqu'on ne sait pas clair qu'il y ait une limite, je vais prendre l'infimum et je vais appeler ça la magnétisation à bêta. Voilà, donc ça, c'est la magnétisation. Donc M de bêta est la magnétisation spontanée. Encore une fois, hein, n'hésitez vraiment, vraiment pas à m'interrompre si je vais trop vite. Oui. Si je posais comme condition limite que les sigma au bord sont plus 1, plutôt que de mettre ce terme d'interaction, c'est oui. Plus compliqué à le faire. C'est-à-dire plus 1. C'est exactement ça. Cette chose-là, ça revient exactement à dire en dehors de mon graphe, tout le monde est plus 1. Si je posais comme condition que sur le graphe, y compris ceux que je garde au bord, j'impose la condition que sigma x vaut 1 plus 1 au bord. Alors, ce serait exactement la même chose. Ça reviendrait, si vous voulez, ça reviendrait à prendre le graphe un tout petit peu plus petit. C'est strictement équivalent. C'est strictement équivalent. Voilà. À la limite, ça va être exactement la même chose. Ouais. Ah non, sinon, au niveau discret, donc si vous preniez la mesure avec les conditions free et que vous la conditionnez à ce que les spins sur le bord, sur cet ensemble-là, sont plus 1, ce n'est pas exactement la même mesure que celle-là. Parce que là, ici, par exemple, les spins sur le bord n'ont pas besoin. Par contre, puisque de toute façon, on va s'intéresser à la limite, là, ça, on obtiendrait la même quantité à la fin. Et c'est plus compliqué d'imposer une condition limite. Ça revient au même. De ce point de vue-là, ça revient au même. Alors, donc là, ici, quelle est maintenant la quantité que... Oui. Ça fait nombreuses années qu'on enseignait le modèle d'usine, on mettait un champ extérieur pour briser la voilà. Symétrie. Est-ce que c'est équivalent? Alors, on peut faire ça aussi. On peut effectivement mettre un champ extérieur. Donc le champ extérieur, c'est quelque chose qui va pousser, donc juste ici, c'est quelque chose qui serait plutôt, ici, mettez sur tout G, mais mettez pas, mettez juste, vous le poussez chaque spin à être un petit peu plus, mais pas complètement, juste il y a une force d'interaction H. Alors ça, on peut faire ça aussi. Ça marche très bien, et là, ici, cette magnétisation, ce serait en fait prendre la limite quand n tend vers l'infini, d'abord de la mesure, donc on aurait une mesure en volume infini avec un champ extérieur, et après on fait tendre h vers 0 et on obtiendrait cette quantité-là. La physique des deux modèles est la même ? C'est la même. En fait, ce qui se passe, c'est que, puisque je n'ai pas vraiment envie de définir les mesures en volume infini et vous justifier pourquoi elles existent,
Je préfère cette façon-là, comme ça là, vous voyez, c'est défini exclusivement en fonction des mesures en volume fini. C'est pour ça que j'avais envie de faire ça, mais sinon tout à fait on peut faire en champ extérieur. Et en fait, la plupart des théorèmes que je vais montrer, puisqu'ils concernent le champ H égale 0, j'ai préféré ignorer cette chose. Mais effectivement, sinon on peut mentionner qu'on peut utiliser un champ métrique, ce qui est d'ailleurs plus naturel du point de vue physique, parce que quand on dit que l'aimant là est attiré par un gros aimant, c'est quoi? C'est justement cet aimant, il implique un champ magnétique sur chacun des atomes. Voilà. Alors, donc du coup, quelle est la question qu'on a envie de traiter ici? Ben, on a envie de se dire, si on reprend l'expérience de Curie, on a envie de se dire que cet aimant, donc si j'oublie un peu le champ magnétique et je vois plutôt comme ça, je vais tricher un tout petit peu, en fait, il force vraiment les spins qui sont sur le bord à être plus. Il les force, eux, ils ont pas les atomes qui sont sur le bord, ils ne sont pas au milieu de plein d'autres atomes, donc ils sentent vraiment énormément cet aimant et ils se tournent tous vers plus. Et la question, c'est ce qu'en moyenne, à l'intérieur, une majorité, enfin strictement plus qu'une majorité des atomes vont être tournés vers plus ou pas. Bon, ce n'est pas très dur de se dire que la moyenne spatiale du nombre d'atomes là qui vont être tournés plus, ça va être à peu près cette quantité-là, où n, c'est la taille de votre aimant. Maintenant, votre aimant est énorme, donc n est très très grand, donc cette quantité-là va être quasiment égale à cette espèce de magnétisation. Donc en fait, ce phénomène-là, il va correspondre exactement au phénomène qui consiste à dire est-ce que cette magnétisation ici est strictement positive ou non? Et la réponse dépend de la température. Donc ici, on va définissons la température critique. Enfin, la température inverse critique dans le cas présent. Ah oui, alors j'aurais peut-être dû le dire, le bêta, il a une interprétation de température inverse. Plus bêta est grand, plus on prend d'importance, enfin plus on regarde l'énergie. Donc pensez à la température comme une excitation dans le système. Plus la température est élevée, plus le système est excité, plus l'entropie est importante, moins l'énergie est importante. Donc, c'est exactement dire que T, c'est comme 1 sur bêta. D'accord? Donc, avec température inverse critique, bêta C, comme étant l'infimum des bêta, tel que M de bêta, est strictement positif. Voilà. Donc, c'est la plus petite température inverse à laquelle nos aimants sont naturellement magnétisés. Enfin, notre aimant sur ZD est naturellement magnétisé. Et vous remarquez qu'a priori, cette chose-là, elle dépend de la dimension D dans laquelle on est. Voilà, donc ça, ce sera l'objet d'étude principale, cette température et cette magnétisation spontanée, température critique et magnétisation spontanée. Et le premier résultat sur le modèle d'Ising est dû à Ising, qui était l'étudiant de Lenz. Donc, Ising, bêta C de 1, donc si je regarde mon modèle sur Z, ma bêta C de 1, c'est plus l'infini. Dans le sens que, à toute température inverse, la magnétisation vaut 0. Intuitivement, ce n'est pas très dur de voir ça, parce que ce qu'on a envie de dire, c'est que, en fait, il ne va pas y avoir que des plus dans notre modèle. À n'importe quelle température qui est plus petite que l'infini, on n'est pas vraiment dans le ground state. Donc il va y avoir un moment, un moins à gauche de zéro, un moins à droite de zéro, sauf que c'est l'inverse, mais c'est pour vous, je le faisais pour vous. Donc votre gauche et votre droite. Mais vous voyez, si vous arrivez de l'extérieur et que vous voyez un moins et un moins, bah, tout ce qui est à l'intérieur maintenant est favorisé par le moins, non pas par le plus. Donc en fait, il n'y a absolument aucun moyen que les plus arrivent à favoriser 0 jusqu'au bout. Tout simplement parce qu'il y a un moment où il va y avoir 2 moins de chaque côté, et entre les deux, maintenant, c'est favorisé par moins. Donc si vous raisonnez sur le fait que vous arrivez à favoriser les plus, en faisant ça, vous vous rendez compte qu'en fait, vous favorisez aussi les moins, et par symétrie, vous obtenez 0. C'est un exercice qui est très simple à faire, je vous laisse essayer de le faire. Vous pouvez vous convaincre facilement de ça. Et donc c'était le résultat de la thèse d'Ising, qui a après conjecturé que c'était le cas en toute dimension. Donc en fait que c'est un très mauvais modèle de ferromagnétisme, puisqu'en particulier en dimension 3,
on ne modélise pas du tout la température de Curie, puisque la température de Curie devrait être zéro dans ce cas. Alors, il faut savoir que ça, c'était en 1920, et que ça a posé quand même pas mal de problèmes aux physiciens d'essayer de trouver un modèle alternatif qui présenterait une magnétisation, enfin, un modèle de ferromagnétisme qui présenterait une magnétisation spontanée en dimension 3 et aussi, par exemple, en dimension 2. Donc, il y a eu différents essais. En particulier, le plus naturel était d'essayer de généraliser, de dire que le spin n'était pas à valeur plus ou moins 1, mais prenait des valeurs, par exemple, dans la sphère unité, en dimension 3. Ce qui serait plus naturel, on a juste envie de dire que ce n'est pas vraiment plus nord ou sud, on va pointer dans une direction. Donc, ça s'appelle le modèle d'Heisenberg, quand on prend sigma x comme ça. Alors, il faut changer un tout petit peu la définition. Le sigma x, sigma y, en fait, vous allez prendre le produit scalaire de sigma x et de sigma y. Et là, vous avez ce qu'on appelle le modèle d'Heisenberg, classique d'Heisenberg. Et de façon générale, quand vous changez l'état, le spin state, donc les valeurs possibles pour les spins, on obtient toute une classe de modèles qui s'appelle les modèles de spin, où en fait, on va prendre le produit scalaire de sigma x, sigma y, et les sigma x prendront les valeurs, cette fois, dans un ensemble oméga, qui est juste un sous-ensemble d'un certain Rn. Et il y a beaucoup de comportements différents, enfin, on peut avoir énormément de comportements possibles pour ce type de modèle. Et étudier ce type de modèle est l'un des objets principaux de la physique statistique. Voilà. Donc là, en fait, en quelque sorte, je suis en train de vous donner l'étude d'un modèle de spin. Si je vous en donnais un autre, vous auriez des comportements complètement différents. Mais bon, il faut admettre que le modèle d'Ising est l'un des plus étudiés et l'un sur lequel on connaît le plus de choses aujourd'hui. Donc ça, c'était Ising en 1920, qui nous fait une jolie prédiction, qui est complètement fausse, en fait, heureusement. Donc Perls, en 1936, donc ça a pris un petit peu de temps, a en fait montré que bêta C de D, il est strictement entre 0 et plus l'infini. Pour tout D, plus grand ou égal à 2. Donc en fait, la seule valeur à laquelle bêta C, enfin la seule dimension pour laquelle on n'a pas de transition de phase, c'est la dimension 1. À partir du moment où on est en dimension 2, on en a une. Et ça, je pense qu'au final, je vais arriver à le faire pendant le cours. Donc je repousse ça un peu plus tard. Voilà, donc on a une transition de phase, donc ça devient naturel d'essayer d'étudier ce modèle. Et maintenant, essayons de faire de voir ce que vous avez envie de savoir sur ce modèle et voir si je peux répondre à vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait se poser comme question? Est-ce que vous avez des idées de questions qu'on pourrait avoir là-dessus? N'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on a envie de savoir? Valeur précise, dépasser de 2 et de 3. Très bien. Donc ça, effectivement, première question, je pense qu'on a envie de savoir ce que vaut bêta C. Première question. Ensuite, est-ce que vous auriez d'autres questions? Qui pourraient vous venir à l'esprit dans ce cas-là? Oui? Est-ce qu'on a remarqué des attractions au calcul quotidien ou pas? Alors, effectivement, là, on a défini bêta C comme étant la plus petite valeur où on a quelque chose de positif. Donc, en dessous, c'est toujours 0, la magnétisation. Pour tout bêta strictement plus petit que bêta C, c'est toujours 0. Et en fait, on va voir, parce que là, pour l'instant, ce n'est pas tout à évident que cet infimum des bêta tel que m de bêta est positif, c'est aussi le suprémum des bêta tel que m de bêta égale 0. Dans le sens que dès qu'on est au-dessus de bêta C, c'est strictement positif. L'intuition, c'est qu'on a envie de dire qu'il y a de plus en plus d'ordre dans notre modèle, puisqu'il est ferromagnétique et que le bêta nous pénalise de plus en plus. Donc en fait, on va le montrer tout à l'heure, ou ce sera en début de cours prochain, le m bêta est croissant. Donc effectivement, c'est aussi le suprémum. Donc dès que bêta est plus grand que bêta C, m de bêta est strictement positif. Mais ça laisse la question de la valeur à bêta C. Donc c'est effectivement une question, c'est peut-être pas la question 2. Donc on va... Ouais, bon, pourquoi pas remarquer. Donc m de bêta C égale 0 ou non? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut se poser comme autre question? Oui? Est-ce que m est continu à bêta C? Exactement. Est-ce que m... Donc, il y a cette question, et après, il y a la limite quand bêta tend vers bêta C de m de bêta. Donc, est-ce que ça va être m de bêta C? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est 0 ou non?
De façon générale, d'un point de vue physique, la valeur A bêta C n'est pas tellement ce qui nous intéresse. Si vous avez un système physique, vous n'allez jamais arriver à être exactement à la valeur critique. Par contre, ce que vous allez pouvoir voir, c'est être proche de la valeur critique. Donc c'est plutôt le comportement de M de bêta proche de bêta C qui nous intéresse que exactement à bêta C. Donc même plus général que cette question, quel est le comportement de M de bêta comme une fonction de bêta moins bêta C lorsque bêta tend vers bêta C? Donc effectivement, est-ce que c'est continu? Donc est-ce que cette chose-là tend vers M de bêta C? Et même comment ça tend, si ça tend vers M de bêta C, à quelle vitesse, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la question qui, physiquement, a le plus de sens. Alors, je vais vous en donner deux autres, donc c'était bien tout ça. Dans le cas où on est en dessous de bêta C, on a cette quantité qui, dont l'infimum ou la limite vaut 0. Mais à quelle vitesse ça tend vers 0? D'accord? Ça, c'est une question qui est très intéressante, enfin très importante. Donc, quelle est la vitesse de décroissance de sigma 0 lambda n bêta plus lorsque bêta est plus petit que bêta c? Donc, je fixe bêta plus petit que bêta c et je laisse n tendre vers l'infini. Et la dernière question, ça va être presque la plus importante, c'est si en fait, si vous voulez comprendre ça, si vous voulez comprendre le comportement quand bêta est proche de bêta C, donc là c'est une quantité, ce qu'on appelle une quantité thermodynamique, c'est la magnétisation de votre modèle, c'est des quantités macroscopiques de votre modèle, vous en avez d'autres, vous avez ce qu'on appelle la longueur de corrélation, etc. La susceptibilité, enfin on a différentes quantités comme ça. Si on veut comprendre leur comportement quand bêta tend vers bêta C, en fait, la meilleure façon de le faire, c'est de comprendre ce qui se passe exactement à bêta C. Donc malgré le fait que physiquement, on ne peut pas vraiment être à la valeur critique, la manière mathématique d'étudier ce problème, et d'ailleurs aussi physique, théorique d'étudier ce problème, c'est de savoir ce qui se passe exactement au point critique. Donc, comment peut-on décrire, enfin, que peut-on décrire au point critique? Donc, d'un certain point de vue, la question 2, c'est presque après la question... Enfin, la question 2 est effectivement la bonne question pour essayer de répondre à la continuité de la magnétisation, par exemple. Donc, ce qu'on verra, c'est que la magnétisation vaut 0. Et en fait, la limite, le fait que cette fonction est continue en bêta C, la continuité à droite est gratuite. À gauche, ça vaut 0. Et donc du coup, si j'ai la continuité à droite gratuitement, si je montre que M de bêta C vaut 0, ben, j'ai montré que M de bêta est continu. D'accord? Voilà, donc ça c'était une bonne question. Maintenant les réponses. Alors, en fait, je ne vous ai pas laissé. Vous avez d'autres questions ou pas? Je ne peux pas répondre à d'autres questions, mais vous en avez peut-être. Il y a une pause. Hein? Il y a une pause. Ah, tu n'as plus le droit à ton âge de poser ces questions-là. C'est en dessous de 30 ans. Non, c'est quand on n'est pas encore papa. Voilà. Non, interdiction. Alors, il y aura une pause. Ne vous inquiétez pas. Mais par contre, j'ai commencé à 1h30, c'est ça? Donc, on va faire une heure. Après, on fera un quart d'heure de pause et on fera les 45 minutes qui restent après. C'est vraiment 2h ou c'est 1h45? Vraiment 2h? Parfait. Alors on fait comme ça. Parfait. On va faire à la russe, ça va être jusqu'à mort s'en suivre. Alors, on y va. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah, réponse, voilà. Les réponses et l'organisation du cours. Alors, première réponse, question 1, bêta C de D. Alors, on a vu que bêta C de 1, ça vaut plus infini, ça c'est pas très compliqué. Alors, il y a un théorème qui est dû à Onzager. Enfin, non, qui est... Allez, on va écrire Cramer-Vanier, même si ce n'était pas une preuve rigoureuse. Cramer-Vanier. Qui dit qu'en fait, bêta C de 2, c'est 1 demi
de logarithme de 1 plus racine de 2. Donc vous verrez pourquoi, c'est dû à l'existence de ce qu'on appelle une dualité dans le modèle en dimension 2. C'est quelque chose qu'on va utiliser énormément dans la suite du cours. Mais plus que la valeur importante, ce que je veux, donc ça c'était question 1, ce que je veux mettre en valeur, c'est qu'en fait c'est la seule dimension pour laquelle on a une valeur de bêta c. Donc pour d plus grand ou égal à 3, bêta c de d, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une valeur précise. On n'a pas de valeur. Il n'y a pas de formule. Alors, bon, là, je m'engage un peu, hein, je ne peux pas vous dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, par exemple, aujourd'hui, on ne s'attend pas à ce que ce soit le cas. Probablement, la meilleure définition de la valeur de bêta c de d, c'est que c'est juste la valeur de bêta c de d. On ne sait pas si c'est rationnel, ça ne l'est probablement pas, algébrique, etc., etc. A priori, on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit le cas. Donc, ça va être quand même relativement intéressant parce qu'on va étudier le modèle à une certaine valeur de bêta c qui est définie de façon implicite, en fait. On n'aura pas de valeur précise pour bêta c en dimension 3 et plus. Mais ça reste quand même la valeur la plus intéressante. Donc ça, c'est la première chose. Ah oui, alors on peut faire effectivement des estimations. D'ailleurs, j'en reparlerai quand je répondrai à la question 4, qui permet en fait d'avoir des... On introduit une quantité qui, en fait, avait été introduite... vous allez voir, la preuve est proche d'une preuve pour la percolation de Bernoulli. Et en fait, la façon dont on a trouvé la preuve pour la percolation de Bernoulli, c'est qu'on a regardé le premier article sur la percolation de Bernoulli. Dans le premier article, ils introduisaient une certaine quantité qu'on a généralisée. Et cette quantité, en fait, dans ce premier article, a été introduite exactement pour ça, pour essayer de calculer, d'avoir des approximations de la valeur, dans le cas de la percolation de Bernoulli, de PC, du point critique pour la percolation de Bernoulli. Donc ce serait là l'équivalent de dire, pour essayer d'avoir une évaluation de bêta C. Donc on peut avoir de bonnes évaluations de bêta C, mais on ne connaît pas la valeur exacte. Et quand D tend vers l'infini, on peut les choses... Alors il y a des développements asymptotiques en D. Ça, c'est beaucoup plus facile à obtenir, effectivement. Et ça tend vers... Zéro. Zéro, quand D est très très grand. En fait, il y a une autre question qu'on pourrait poser, c'est que si je change le réseau par un réseau plus compliqué, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que bêta C est le même, bêta C change? Alors, c'est une très, 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 très bonne question, donc on va la mettre là. C'est probablement la question la plus intéressante, en fait, de tout ça. Et c'est ce qu'on appelle l'universalité. C'est-à-dire, si je vous donne un autre réseau, quel est le comportement du modèle? Parce que vous êtes d'accord que mon aimant, mes atomes, ils ont beau être gentils avec moi, ils ne vont pas se mettre sur un réseau carré. Il y a des systèmes physiques qui se mettent en réseau, mais en général, s'ils se mettent en réseau, ça va être déjà le réseau triangulaire. Donc mais on pourrait faire toute l'étude sur le réseau triangulaire, mais en tout cas, dans le cas des aimants, il n'y a aucune raison qu'on ait un quasi-cristal, mais on n'est pas du tout exactement ça. Donc, si on veut un bon modèle, il ne faut pas que le comportement dépende tellement du réseau. Il faudrait ce soit quelque chose de plus profond et qu'on ait le même comportement si on change le réseau. Donc prenez le réseau triangulaire, le réseau hexagonal, prenez même un réseau quasi-périodique, donc vous prenez un graphe fini sur un tore, vous le dépliez, vous obtenez un graphe sur un graphe planaire. Si je définis le modèle sur ça, est-ce que j'obtiens la même chose? Alors c'est pas très dur de se convaincre qu'en fait le bêta C, il va vraiment changer. La température critique, elle ne va pas du tout être la même. Donc ça, c'est pas très grave, parce que si vous prenez un aimant, donc les aimants, l'expérience originelle avec le fer, il faut quand même le faire chauffer sacrément pour arriver à perdre l'aimantation. Donc on arrive en fait au-dessus de 700 degrés ou des choses comme ça. En fait, aujourd'hui, on a des alliages de différents métaux qui vous permettent d'avoir des températures de Curie en dessous de 100 degrés. Donc, j'aurais presque pu vous faire l'expérience. La dernière fois que je l'ai faite, je me suis brûlé, donc j'ai décrété que je ne la faisais plus. Mais j'ai des aimants à la maison qui se désaimantent à 100 degrés. Et 100 degrés, c'est beaucoup, en fait. C'est ça que j'avais oublié dans l'histoire. Donc, voilà. Donc,
là, même dans les phénomènes, juste même avec des aimants, il y a des températures critiques différentes. Donc ça, c'est pas gênant que la température change. En fait, c'est plus le comportement ici de M de bêta qui doit être universel. C'est celui-là auquel on s'attend d'avoir. Et ça, effectivement, c'est possible de voir que pour les aimants, c'est le même. On va voir qu'en fait, je vais vous le dire dans deux secondes, mais bêta moins bêta c, f de bêta moins bêta c, ça va être une certaine puissance de bêta moins bêta c. On aimerait que ce soit toujours la même puissance, en tout cas à la même dimension, si je prends n'importe quelle raison. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les phénomènes d'universalité. Et ça, c'est très peu compris d'un point de vue mathématique. Et c'est une question très, très intéressante. C'est la question qui m'intéresse le plus, par exemple, en dimension 2. Vous allez voir qu'on sait faire beaucoup de choses. On décrit très bien le modèle sur le réseau carré, mais entre guillemets pour les mauvaises raisons. Et donc, essayer de comprendre un peu plus conceptuellement pourquoi on a ces phénomènes-là pourrait permettre justement de comprendre le phénomène d'universalité. C'est une très très bonne question. J'aurais malheureusement pas beaucoup de temps, je pense, pour le faire. Question. Même à une dimension, si je prends un graphe en arbre assez compliqué, qui est essentiellement à une dimension, mais avec des vertex. Alors, si tu prends un arbre, là, vraiment, tu as un comportement très différent. Ce n'est pas du tout un graphe unidimensionnel. Si tu prends un graphe qui est quasi isométrique avec Z, donc vraiment un graphe unidimensionnel, ils vont tous avoir BTC égal plus l'infini. Et ils auront... Je peux avoir n'importe quoi, même. Tant qu'il est quasi isométrique à Z, là, il n'y aura rien. C'est-à-dire des tas de branchements partout. Alors, si vraiment, si c'est pas isométrique à Z, si c'est vraiment un arbre, dans ce cas-là, là, c'est pas du tout planaire. Et si vous prenez le modèle sur un arbre, là, vous avez quelque chose de complètement différent. Ouais, ouais. Et sur tous les arbres, c'est possible, par contre, de montrer qu'ils ont tous le même comportement. Ça, c'est facile. Et si on met une interaction en lampe porteur, dimension 1, qu'est-ce qui se passe? Ah, alors ça, c'est une très bonne question aussi. Dès qu'on passe à des longues portées qui sont suffisamment... Par exemple, si vous prenez J de XY, qui va être 1 sur X moins Y à la puissance alpha, donc on veut une longue portée, mais en plus qui décroît suffisamment lentement, alors vous pouvez avoir des transitions, des phénomènes de transition de phase. Et en particulier, donc le plus intéressant, c'est de prendre alpha égale 2. Quand vous prenez alpha égale 2, là, il y a une transition de phase bêta c, il y a un point critique bêta c qui est strictement entre 0 et plus l'infini. Et ce qui est d'autant plus intéressant dans ce cas, c'est qu'en fait, vous allez voir que sur le réseau, sur ZD, on va montrer que la magnétisation, elle est toujours égale à 0 au point critique. Ce n'est pas le cas pour ce modèle-là. Ce modèle-là, en fait, il y a un saut dans la magnétisation. Donc oui, c'est très intéressant d'étudier les phénomènes à longue portée, même sur Z. En fait, d'un certain point de vue, pour les phénomènes à longue portée, Z, c'est déjà, il y a déjà une richesse largement supérieure au modèle ferromagnétique au plus proche voisin. Voilà, donc ça, c'est réponse à la première question. Ce n'est pas grave. En dimension 2, on va avoir une valeur. Au-dessus, on n'a pas de valeur, c'est pas grave. Alors, ensuite, en fait, je vais passer à la question 4 directement. Je vais par ordre de difficulté. Donc, quand on décroît, en fait, on va décroître exponentiellement vite. Donc, il va y avoir un théorème qui est dû à Eisenman, Barsky et Fernandez. Et dont on a donné une preuve alternative avec un de mes postdocs, Vincent Tassion. Donc ça date de 80, et ça c'est 2015. Et qui dit, pour tout bêta plus petit que bêta c, il existe une constante c qui va dépendre de bêta, telle que la magnétisation est plus petite que exponentielle de moins c fois n. Alors ça, c'est très important, parce que c'est, si vous voulez, c'est l'outil que vous allez utiliser pour étudier ce qu'on appelle la phase sous-critique, la phase haute température. Si vous avez ça, vous pouvez démontrer à peu près tout ce que vous voulez sur cette phase. Donc cette phase bêta, plus petite que bêta c, elle n'est pas mystérieuse du tout. On connaît très très bien, mais mathématiquement, on sait très bien ce qui se passe dans cette phase. Elle est due à ce théorème-là.
D'un point de vue physique, en fait, cette constante, ça a l'interprétation de l'inverse d'une longueur de corrélation, pour ceux qui ont l'habitude de ce genre de jargon. Voilà. Donc ça, ce sera un théorème qu'on va regarder. Je ne vous montrerai pas la preuve complète, parce que j'ai plutôt envie de... Ah, parfait. J'ai plutôt envie d'aller vous expliquer ce qui se passe au point critique, mais je ferai quand même un petit détour pour vous parler un peu de ça, probablement dans le prochain cours. Alors, oublions maintenant la phase sous-critique et regardons la phase critique. Et parlons déjà de la conjecture. Donc la conjecture, pour les questions 2 et 3, c'est que m de bêta va se comporter comme bêta moins bêta c à la puissance. Alors là, c'est pas de bol, parce que c'est un très mauvais choix de constante, mais c'est pas nous qui l'avons décidé. L'exposant, il l'appelle bêta en physique. Donc, on va le mettre d'une autre couleur. Bêta plus petit o de 1. Alors ce bêta, ça n'a rien à voir, ça me gêne un peu. Bêta bar, hop là. D'accord ? Donc ça se comporte comme une puissance. Et le bêta bar, eh ben, il va dépendre de la dimension. En dimension 1, ça va être 1 huitième. En dimension 2, excusez-moi. En dimension 4 et plus, ça va être 1 demi. Et en dimension 3, bah, y a une valeur numérique qui n'est pas connue. Oui. Ah oui, du coup, forcément. Hop là. Si d égale 3. Donc ça, c'est la conjecture. Et maintenant, les résultats. Donc, théorème. Je vais écrire en bleu. Donc, les théorèmes, c'est 1 huitième, c'est prouvé. C'est un résultat de vue. Et c'était prédit par Onzager. Donc ça, c'était dans les... prédit par Onzager en 49, prouvé par vue en 52. Et je vous reparlerai un peu plus de ça quand je parlerai vraiment de la dimension 2 dans le cours. Donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais on sait montrer qu'en dimension 2, c'est bêta moins bêta c à la puissance 1 huitième. À vrai dire, on sait même que ce n'est pas un plus petit o de 1, c'est à constante près. Il y a même des valeurs explicites. En fait, on a une formule. Ce qui, pour certains d'entre vous, doit être super, et ce qui, pour moi, d'un certain point de vue, est hyper décevant. Que ce soit la façon dont on montre ça, d'avoir juste une formule explicite. Oui, alors ça c'est quand bêta tend vers 0. Bêta tend vers bêta c, excusez-moi. Voilà, c'est cette limite-là. Et le 1/2, c'est dû à Eisenman et Fernandez, même si, de nouveau, en fait, Eisenman avait plus ou moins déjà fait le travail, Eisenman, excusez-moi, dans son... Bon, mettez le nombre que vous voulez ici. Il s'était déjà plus ou moins fait dans son article originel, mais la preuve réelle pour D plus grand ou égal à 4 est due à Eisenman et son étudiant Fernandez. Voilà, donc ça, c'est ce qui est connu en dimension 3. En dimension 3, on ne sait pas. En dimension 3, on sait juste une chose. C'est donc, et pour D égale 3, on sait juste que M de bêta C est égal à 0. Donc c'est une transition de phase continue. Et ça, c'était un résultat qui est dû à Eisenman, moi-même, et Sidoravicius. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est connu pour M de bêta. Et vraiment, j'attire votre attention sur le fait que la dimension 2, vous allez voir, ça va être dû au fait qu'on comprend très bien ce qui se passe au point critique. On connaît même l'invariance conforme, etc. Donc ce modèle en dimension 2, il va être intégrable, donc on saura faire beaucoup de choses. En dimension 4 et plus, vous voyez, c'est toujours le même exposant. Et en fait, si vous aviez défini le modèle... Oui. C'est quelle année, le dernier théorème ? 2015. Je crois qu'il est publié en 2015. Sinon, il est sorti en 2012 à peu près. Et là, Eisenman, c'est 80 quelque chose.
Donc le premier papier, c'est Eisenman en 80, enfin 82, excusez-moi. Eisenman Fernandez, c'est peut-être 2 ou 3 ans après. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, en dimension 4 et plus, c'est toujours le même exposant. Et en fait, si vous regardiez le modèle sur un arbre, donc vous définissez le modèle sur un arbre binaire, par exemple, vous pouvez aussi définir un bêta C. Et puis là, vous vous doutez bien, sur un arbre binaire, vous n'avez pas de cycle, vous allez avoir une structure qui est beaucoup plus simple à étudier. Et en particulier, vous allez pouvoir montrer que, en fait, l'exposant, c'est un demi dans ce cas-là. Donc, en fait, la magnétisation, à partir de la dimension 4, se comporte comme ce qu'on appelle en champ moyen. Donc, si vous faites ça aussi sur un graphe complet et que vous faites tendre la taille de votre graphe vers l'infini, vous avez aussi une façon de définir un modèle et une température critique. Vous allez aussi avoir un comportement en racine de bêta moins bêta C. Donc, ce comportement en champ moyen, c'est ce qu'a exhibé Eisenman dans son papier de 82. Donc il ne s'intéressait pas exactement à cette quantité-là, il s'intéressait à une autre, c'est ce dont je vous parlerai dans le cours. Mais quelques années après, ils ont été capables de faire en gros toutes les quantités d'intérêt pour nous. Donc ici, c'est parce qu'en gros, on va pouvoir comparer au champ moyen. Ici, c'est parce que c'est intégrable. En dimension 3, qui est la dimension la plus intéressante, on n'a aucune des deux propriétés. On n'a pas un comportement en champ moyen, donc ça ne va pas être 1,5. On n'est pas intégrable, donc on ne sait pas calculer explicitement la quantité. Et donc là, on est bloqué, en quelque sorte. Donc je vous parlerai de ça dans le dernier cours. Alors, numériquement, on a des idées de ce que devrait être bêta, mais on n'a pas d'existence de... Mais on sait qu'il existe ? Non, numériquement. Numériquement, on a des... Numériquement, on a des estimés pour M de bêta, pour bêta proche de bêta C. Mais puisque c'est une limite, on... ça tend vers zéro. Ça, on peut montrer. Ça, on peut montrer que ça tend vers zéro, mais numériquement, ça ne donne pas d'informations sur le comportement théorique de la limite. Ouais. Je vous parlerai un petit peu de ce qui est connu en dimension 3 physiquement. Il y a des progrès récents en utilisant l'invariance conforme, mais c'est encore très très loin de pouvoir montrer quoi que ce soit sur le comportement. Je pense que peut-être montrer que c'est plus grand que 1,5, plus petit que 1,5, ça c'est peut-être possible. Montrer que c'est plus grand qu'un huitième, aucune idée. Mais montrer que c'est plus grand qu'un epsilon, peut-être. Oui, j'ai entendu. 3 plus epsilon. Alors, 4 moins epsilon. Donc effectivement, si on fait des... Il y a certaines quantités qu'on peut définir et faire apparaître un D. Après, on peut plugger le D qu'on veut, donc un D qui n'est pas un entier. Effectivement, le D auquel ce comportement commence à disparaître est strictement plus petit que 4. Je ne sais plus la valeur, 3,72, quelque chose comme ça. Mathématiquement, c'est difficile de dire comment c'est relié à notre problème pour les dés qui sont non entiers. En particulier parce qu'en fait, on n'a absolument aucune idée pourquoi bêta devrait être une fonction analytique, par exemple, de dés ou des choses comme ça. Oui, donc un dé égale 4, on ne s'attend pas à des corrections logarithmiques, ça devrait être... Alors, c'est une très très bonne question. Pour la magnétisation, non. Par contre, il y a des quantités où on a des corrections logarithmiques. Ouais. Ça, je vous en parlerai peut-être un petit peu. Il y a encore des choses qui ne sont pas comprises en dimension 4 de ce point de vue-là. Par exemple, la trivialité de la field theory, de la théorie des champs qui est associée à ce truc dont je vais vous parler dans 2 minutes, on ne sait pas montrer qu'elle est triviale. On sait montrer comment il faut la renormaliser, etc., mais on ne sait pas montrer qu'elle est triviale. Donc il y a des choses qui ne sont pas comprises en dimension 2. En dimension 4, excusez-moi. Et en dimension 3, c'est un peu le flou artistique, mais tant mieux, parce qu'au moins ça nous laisse de jolis problèmes. Alors, dernière question, du coup, la question 5. Que se passe-t-il pour la question 5? Et après, on fait une pause. Ouais, ce sera pas mal, ça, en termes de timing. Alors, ce qu'on peut regarder, donc, ce qui va se passer déjà au point critique. Donc, en sous-critique, on a décroissance exponentielle de ce genre de quantité. En sur-critique, elle ne tend même pas vers zéro. Qu'est-ce qui se passe au point critique?
Alors, au point critique, elles vont décroître comme des puissances, en fait. Donc, cette quantité, donc la conjecture, c'est que cette quantité, à bêta C, elle va se comporter comme 1 sur N à une puissance, je vais l'appeler alpha 1, disons, plus petit O de 1, et là, le petit O de 1, par contre, c'est quand N tend vers l'infini. Donc, ça se comporte comme une puissance. Donc, maintenant, ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de regarder si je prends les corrélations entre plusieurs spins, comment elles vont se comporter. Donc, si je prends, par exemple, sigma 0, sigma x, à votre avis, quelle est la vitesse, quelle est la chose naturelle, la vitesse naturelle à laquelle on pense que ça va tendre vers 0, sigma 0 fois sigma x, si je prends la corrélation A bêta critique entre sigma 0 et sigma x. Ben, on a envie de dire, on va choper un n puissance alpha 1 pour chacun des deux spins. Donc ça va décroître comme 1 sur n puissance 2 alpha 1. Si je prends k spins, ça va décroître comme 1 sur n puissance k fois alpha 1. Donc maintenant, ce qui est assez naturel, c'est de dire, bon bah, multiplions notre corrélation par cette quantité et regardons si ça converge vers quelque chose. Alors, converger, il faut que j'envoie mes gens à l'infini. Donc ce que je vais faire, plutôt qu'envoyer mes gens à l'infini, je vais changer un tout petit peu mon point de vue, je vais prendre le point de vue de la limite d'échelle. Donc, une limite d'échelle. C'est juste de dire, je n'ai pas envie d'envoyer les gens à l'infini, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la maille du réseau. Donc concrètement, mes spins vont être de plus en plus loin, mais je vais fixer un domaine oméga, donc imaginez un ouvert, et puis je vais prendre le réseau delta ZD intersecté avec oméga, je vais appeler ce graphe oméga delta, et je vais regarder, je vais prendre des points, x1, x2, etc., x3, x4, et je m'intéresse à la quantité je vais regarder la limite hop là, ça tombe un peu plus bas la limite quand delta tend vers 0 de donc je vais regarder les corrélations entre sigma x1 sigma x disons k dans oméga delta, laissons, on va mettre juste condition free pour simplifier. Alors ici, x1, xk, ils n'ont aucune raison d'être des sommets de oméga delta, donc je vais prendre x1 delta, etc., xk delta. Là, j'entends juste le point ou un point très proche de x1 qui est sur oméga delta. Donc c'est une, disons que là, je vais prendre un point x3 delta, qui est le point le plus proche de x3. Si on a plusieurs, vous en prenez un. Donc ça, cette quantité, elle va tendre vers 0. Elle va tendre vers 0 comme delta à la puissance k fois alpha 1. C'est à ça qu'on s'attend. Donc je vais renormaliser ça par delta à la puissance k fois alpha 1. Est-ce que j'ai une limite de cette quantité-là? Alors, il va se trouver que je vais avoir une limite. En fait, tout ça, c'est prédictif. Hein. C'est, tout ça, on est à l'ordre de l'ordre de la conjecture. Je vais avoir une limite que je vais noter formellement. Je vais l'appeler comme ça. Donc ça, c'est formel. Hein. C'est une notation, ça. Je n'ai pas de modèle d'Ising sur oméga dans le continu. D'accord ? Donc, je le note comme ça. Et ça, je vois ça comme les corrélations à K points d'un champ. Maintenant, d'un champ sur un champ aléatoire sur oméga cette fois. C'est vraiment dans le continu. Alors attention, hein, cette fonction, donc ce serait un peu la fonction x, donc qui va de oméga dans plus ou moins 1, et qui à x associe sigma x. Bon, cette fonction sigma, si je la vois, c'est pas du tout régulier. C'est en ça que je dis que c'est vraiment un champ, c'est une distribution aléatoire. La régularité de cette chose, je n'ai pas du tout envie de l'étudier. J'ai juste envie de dire, ok, oublions complètement ça, regardons juste les corrélations à k points de cette quantité. Et je dis, ça, c'est peut-être de gentilles fonctions. À quoi elles ressemblent?
Pour ceux qui sont perdus, ne vous inquiétez pas, on en parlera pas tant que ça, malheureusement, parce qu'il faudrait plus de temps. Mais laissez-moi vous dire quelques petites choses là-dessus. Donc, alpha 1, déjà, la conjecture, c'est que ça vaut 1 huitième si d égale 2. On n'a absolument aucune idée si d égale 3. Et ça vaut d moins 2 sur 2 si d est plus grand ou égal à 4. Donc, le d moins 2 sur 2 ici, s'il vous surprend un petit peu, ça dit quoi? Ça dit que sigma 0 sigma x va décroître comme 1 sur la distance, donc 1 sur x à la puissance d moins 2. Qu'est-ce qui décroît comme ça? La fonction de Green. Donc en fait, en dimension 4, les corrélations spin-spin, en fait, elles vont être très très proches, elles ont le même comportement que la fonction de Green, c'est-à-dire l'espérance du temps passé en x pour une marche aléatoire partant de 0. D'accord? Donc juste ici, parenthèse, par exemple, ça nous dit quelque chose comme cette chose-là se comporte comme ça. Et ça, c'est à peu près de l'ordre de la fonction de Green, donc l'espérance du nombre de visites en x pour la marche aléatoire simple partant de 0. Donc ce n'est pas une valeur complètement folle, ce d-2 sur 2. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça nous dit comment il faut renormaliser ici. Et maintenant, que sait-on sur cette quantité-là, sur cette limite quand on a renormalisé? Je vais me concentrer sur deux propriétés. Je vais vous parler juste de ça. Donc, en dimension, pour d plus grand ou égal à 5, je ne vais pas vous traiter le 4. Le 4, c'est un peu compliqué, comme l'a dit Nicolas. Il pourrait y avoir des corrections logarithmiques. Je vous en parlerai si j'ai vraiment le temps. En dimension 5, ce qui va se passer, c'est que le sigma 0, sigma x, et mettons qu'on est vraiment dans RD, donc on prend vraiment un volume infini, ça va se comporter comme 1, ça va être ça va être une fonction de x, de la norme euclidienne. Donc qu'est-ce que je suis en train de vous dire comme ça, là? Je vous dis juste une chose simple, c'est une façon beaucoup trop compliquée de le dire, mais d'ailleurs c'est tellement compliqué que je ne l'aime vraiment pas, on va faire ça comme ça. Si on se met sur ZD, ça va se comporter à peu près comme 1 sur la norme euclidienne de x à la puissance d moins 2, avec une constante devant qui dépend de D. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que cette quantité-là, c'est juste constante. D'accord? Il y a une invariance par rotation. À la limite. Donc, la raison pour laquelle j'ai un tout petit peu pataugé en essayant de vous dénoncer ça, c'est qu'en général, on ne s'intéresse pas tellement à ça, parce qu'en dimension 5 et plus, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est de voir comment on peut exprimer les corrélations à 4 points, par exemple, en fonction de celles à 2 points. Ou celles à 6 points en fonction de celles à 2 points, etc., etc. Il y a quelque chose qui se passe en dimension 5 et plus qui est fâcheuse d'un point de vue de la théorie des champs. Donc, théorème du Heisenmann. Ce n'est pas exactement énoncé comme ça, mais je vais vous l'énoncer comme ça quand même. C'est que sigma de x1, sigma de x 2k, donc si je prends 2k points, et ben en fait, c'est la somme sur tous les appariements possibles. J'ai absolument aucune chance que j'écrive appariement sans faute d'orthographe, donc je vais mettre pairing, de x pi 1, sigma de x de pi 2, sigma de x de pi 2k moins 1, sigma de x de pi 2k. Donc comment je calcule la corrélation à 2k points? Eh bien, je fais la somme sur tout. Je les mets par paire, et je regarde toutes les façons de les mettre par paire, et je fais le produit des spin-spin pour les paires. Alors pourquoi ça? Il y a un type de champ qui vérifie exactement cette propriété-là, c'est ce qu'on appelle le champ libre. Donc cette chose-là, ça dit quoi? Ça dit que le champ est trivial. C'est la trivialité du champ obtenu par la limite d'échelle
d'easing au point critique. Et alors ça, c'est juste pour faire une petite parenthèse. Après, je vais retomber sur des choses beaucoup plus simples. Là, c'est vraiment juste la fin de... C'est un petit peu plus compliqué, mais c'était juste pour vous donner un peu tout ce qu'on va faire. Je passerai plus de temps là-dessus plus tard. Ça, d'un point de vue de la théorie constructive des champs, c'est très gênant. Parce qu'en fait, pendant une grande période, nos amis à Princeton et Harvard ont essayé d'utiliser le modèle d'easing et un modèle qui est relié, qui s'appelle le modèle 5-4-D, pour essayer de construire, juste de construire, un champ en dimension 4 qui soit non trivial. Parce que c'était quelque chose que les physiciens aimeraient obtenir, aimeraient avoir. Un champ construit rigoureusement en dimension 4 non trivial. Donc ils sont partis du modèle d'easing et de ce modèle relié qui est le 5-4-D, pour essayer de dire, bah oui, alors peut-être une façon de le faire, c'est ce modèle au niveau discret, il n'est pas vraiment trivial, donc essayons de prendre le point critique, de prendre la limite, et peut-être qu'on obtient quelque chose de non trivial. Et ils ont essayé pendant de nombreuses années d'essayer de prouver ça. Sauf que le problème, c'est que ce théorème d'Eisenman vous dit que ce n'est pas le cas. Ce modèle, ce champ, il est trivial en dimension 4 et plus. Donc ça, c'est d'un point de vue théorique... 4 fois majeur que 4. Oui, et en fait, on s'attend à ce que ce soit vraiment en dimension 4, même si on ne sait pas le montrer. Mais il n'y a pas de doute réel là-dessus. Tout le monde est d'accord. Tout le monde. Tout le monde, j'en sais rien. Vous n'avez pas l'air déjà, donc ça commence. Personnellement, pour travailler sur cette question, j'ai peu de doutes sur le fait qu'il soit trivial. Et le modèle qui les intéressait, eux, qui était de prendre la limite de 5-4-D, 5-4-4 du coup, ça, on sait maintenant que c'est trivial. Celui-là, c'est rigoureux. Pour un certain paramètre de couplage, c'est connu que c'est trivial. C'est ce résultat par Bauer-Schmidt, Slade et Bridges, je pense. C'est assez récent, hein. Ça a 3-4 ans. Alors, je vous l'accorde, c'est pour le régime, c'est pour un régime qui est perturbatif par rapport au Gaussian free field, par rapport au champ libre. Mais ça reste un régime réel de modèle 5-4-4 et pour lequel la limite d'échelle est triviale. Mais il ne faudrait pas nommer aussi Frolich pour ce résultat-là ? Alors, effectivement, 2 ans après, Frolich a fait également ça. Alors, il prétend que c'est fait aussi en dimension 4. Bon, après, quand on en discute avec lui, c'est moins clair. Et quand on regarde le papier, en toute honnêteté, la dimension 4 n'est pas couverte par le papier. Mais effectivement, j'en reparlerai quand on va faire ce théorème. C'est également fait par Frolich. Donc moi, je vais aborder... Je vais commencer à développer un objet qui a été étudié exactement dans la preuve de Eisenman et qui a été introduit à cause de ce théorème. C'est pour ça que je parlais de ça. Mais effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à dire ? Ah non, c'est pas le break. Ah, le break qui va arriver, vous inquiétez pas. Non, mais c'est-à-dire que là, il me reste un théorème et après, j'en ai fini avec les énoncés et c'est un moment plus simple pour s'arrêter. Puis comme ça. Plus vous tenez là pendant les 5 ou 6 dernières minutes, ça fera ça de moins après. Ça va être. Alors, qu'est-ce qui se passe en dimension 2 ? J'ai juste envie de finir avec ça. Donc, en dimension 2, ce qui est connu, c'est un théorème de Tchelkak, Onglet et Isiroff. Is you off. C'est que en fait, cette quantité, elle existe, donc il y a une limite, ce qui n'était pas du tout évident a priori, et cette limite, elle est invariante conforme. C'est-à-dire, si je prends un domaine, oméga, simplement connexe, et que je prends une application conforme, qui va l'amener, donc application conforme voulant dire holomorphe et injectif. Donc ça l'envoie sur un autre domaine simplement connexe, phi de oméga. Si je prends x1, xk, ce qui va se passer, c'est que si je regarde la quantité, la limite que j'obtiens sur oméga en prenant les corrélations à x1, xk, donc je prends la limite de cette quantité-là, eh bien, je peux la relier à la limite que j'obtiendrais si je regardais le modèle dans phi de oméga. Donc, si je veux relier à cette quantité-là,
phi de x1, sigma de phi de xk dans phi de oméga. Donc ça, ça veut dire que je prends phi de oméga, je prends la limite d'échelle là-dedans. Et bien, ces deux quantités, elles ne sont pas tout à fait égales, mais presque. C'est égal à phi prime en x1 à la puissance 1 huitième, etc. Phi prime en xk à la puissance 1 huitième fois la corrélation en phi de oméga. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est une limite qui est invariante conforme, covariante conforme dans le cas présent. Voilà, donc ça c'est la limite, c'est la dernière chose que je ferai. En fait, je ne vais pas exactement montrer ce théorème-là, mais quelque chose qui est relié. J'ai juste envie de finir par vous dire quand même que là, il y a quelque chose d'un petit peu magique qui se passe. C'est que, bien entendu, si vous prenez comme transformation juste la rotation d'angle pi sur 2, puisque c'est une transformation qui préserve le réseau, ce résultat est complètement évident. Vous allez obtenir les mêmes corrélations. D'accord ? Mais ce que je vous dis, c'est que c'est vrai, en particulier dans la limite, c'est vrai pour n'importe quelle rotation. Or, au niveau discret, c'est bien entendu complètement faux. Vous n'avez pas, on voit même pas le réseau sur le réseau. D'accord ? C'est vrai pour n'importe quelle rotation, en fait, c'est vrai pour n'importe quelle transformation conforme, donc n'importe quoi qui est localement composée de dilatation et rotation. Voilà. Donc en fait, c'est vrai pour tout un ensemble de symétries. Et du coup, si vous avez beaucoup de symétries en physique, vous allez pouvoir décrire très simplement votre modèle, et c'est exactement ce qui se passe ici. On peut décrire par à peu près tout ce qu'on veut sur le modèle planaire grâce à ça. L'autre avantage, c'est que cette symétrie, elle va être vraie si vous partez d'un autre réseau normalement. Ça fait exactement partie de ces choses qui devraient être universelles. Donc ça, on finira par ça, ce sera un petit peu le point d'orgue du cours, au dernier cours. Et voilà, je vous avais promis une pause, donc il faut que je la fasse. Ok, donc c'est reparti. Alors déjà, j'ai fait une faute d'orthographe. Là, soit vous rajoutez un F, soit vous mettez un V. Dans le cas présent, je crois que Kostia préfère qu'on utilise le V. Très bien, donc ça c'était pour, encore une fois, je suis allé un peu plus vite sur cette partie-là, mais c'était pour essayer juste de vous donner un aperçu de ce qu'on allait faire. Bien sûr, maintenant on va retourner à quelque chose d'un peu plus crédible et un petit peu moins compliqué. Alors, l'organisation du cours. Donc première chose, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je ne pourrais pas vous faire un cours, là c'est qu'un aperçu d'ailleurs de ce qui est connu sur le modèle easing. Il y a plein d'autres choses qui sont connues, donc j'ai choisi ces choses-là. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous parler d'une approche spécifique au modèle easing qui consiste à essayer de réécrire les corrélations de spin en fonction de propriétés de sous-graphes aléatoires de ZD. Donc c'est ce qu'on appelle une représentation géométrique du modèle d'Ising. Donc le but, c'est d'obtenir et étudier une représentation géométrique du modèle d'Ising. Alors, il y en a beaucoup, des représentations géométriques. Donc, il y a des représentations de type percolation et des représentations du type marche aléatoire. Donc, je vais juste vous en énoncer quelques-unes qu'on ne va pas étudier pour qu'elles soient écrites comme ça. Si vous les rencontrez dans un cours, vous saurez d'où elles viennent. Donc, il y a par exemple ce qu'on appelle la percolation de Fortuyn-Castellan. Alors, on est en français, donc il faut mettre percolation avant. Donc la percolation Castellan, qui est un modèle de percolation qui généralise la percolation dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est juste la percolation de Bernoulli, où en fait chaque arête est gardée avec probabilité P et enlevée avec probabilité 1 moins P. Vous avez des représentations par marche, ce qu'on va appeler basse et haute température. Alors ça, je vous en parlerai un tout petit peu quand on parlera du modèle en dimension 2. Donc ça, c'est des expansions en fait de la fonction de partition en termes de sous-graphes
de Z2. Il y a des représentations en marche aléatoire. Et je vais appeler ça Alla Simanzi. C'était le premier à introduire ce type de choses. Et il y en a en fait pour... Qu'est-ce que j'ai écrit là, okay. J'ai perdu, excusez-nous. Ça marche en fait pour beaucoup de modèles de spin, donc ce n'est pas spécifique au modèle d'Ising. Et dans le cas du modèle d'Ising, c'est une représentation par Bridges, Frölich et Spencer. Et c'est exactement la représentation qu'avait utilisé Frölich pour montrer ce théorème. Donc en fait, Eisenman et Frölich ont effectivement montré ce théorème simultanément. Frölich en utilisant cette représentation, et Eisenman en utilisant la représentation dont je vais vous parler maintenant, qui s'appelle une représentation en courant aléatoire. Donc mon but, c'est de vous présenter cette représentation en courant aléatoire et de vous montrer ces théorèmes en utilisant cette représentation. Et en particulier, cette représentation est reliée à la représentation haute température qui sera utilisée en dimension 2. Voilà, donc mon but, c'est de vous présenter ça. Donc première partie du cours, ça va être juste de définir cette représentation et de vous faire quelques propriétés de base, enfin, prouver quelques propriétés de base sur cette représentation. La deuxième partie, ça va être en fait de vous décrire la phase sous-critique, parce que là, la description, elle ne dépend pas vraiment de la dimension, ça marche toujours. Donc, je vous ferai ça. Et après, on va faire dimension 4, dimension 3, dimension 2. Donc en dimension 4, on va montrer quelque chose qui est proche de ce théorème de trivialité. En dimension 3, je vous montrerai que la magnétisation au point critique vaut 0. Et en dimension 2, on verra jusqu'où on va, mais essayer de montrer que bêta c vaut effectivement 1/2 de log de 1 plus racine de 2. Et ensuite, essayer aussi de vous donner quelque chose sur l'invariance conforme, en quelque sorte. D'accord ? Donc c'est l'organisation du cours. On va aller de la plus grande dimension, qui est en quelque sorte la plus simple à étudier, à la plus petite dimension. Donc, représentation en courant aléatoire. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, définition. Alors, au début, ça va vous sembler tout bête comme définition, mais vous allez voir que c'est très utile. Donc, un courant... c'est juste une fonction des arêtes de notre graphe dans N. C'est tout. Et je vais la noter pour essayer de simplifier un peu les notations. Les arêtes, je vais les appeler x, y comme ça, où x et y, c'est les deux extrémités de l'arête. Et N de x, y, c'est la valeur du courant en x, y. Donc ça, c'est un courant. Une source de N, ça va être quoi ? C'est juste un sommet tel que la somme sur les arêtes incidentes à ce sommet du courant est impair. Donc vous êtes d'accord, vous prenez tel que la somme de n de xy pour y voisin de x est impair. D'accord ? Soit pair, soit impair. Pour toutes les impairs, on appelle ça des sources. Et des ronds n, ce sera l'ensemble des sources de n. D'accord ? Voilà, donc ça c'est la définition d'un courant. Pour l'instant, aucune connexion avec le modèle d'Ising. Et je vais vous rajouter deux notations. Je vous ai dit courant aléatoire, donc je vais vous donner la probabilité d'un courant. Enfin, qu'est-ce que c'est que la mesure que je vais définir sur le courant ? Est-ce qu'il y a des relations de parité ? Est-ce que nxy est égal à nyx ou des choses semblables ? Ce sont des arêtes non orientées, là. Donc c'est vraiment... c'est un graphe non orienté. C'est une bonne question. C'est vrai que la notation n'est pas très bonne de ce point de vue-là. Donc il va y avoir un poids associé à une arête, à un courant, excusez-moi. Donc w bêta de n, ça va être le produit... sur toutes les arêtes de bêta puissance n de xy sur
n de xy factoriel. Donc ça, c'est le poids. Pour l'instant, il n'y a absolument aucune... C'est pas évident pourquoi c'est intelligent de faire ça. Vous allez voir dans 2 minutes. Hein. Donc, suivez-moi pendant 2 minutes et vous comprendrez pourquoi c'est quelque chose de naturel. Et la dernière chose que je veux regarder, que je veux introduire, c'est une mesure de probabilité. Donc si je prends un ensemble d'arêtes, de sommets, PA bêta d'un courant, donc la probabilité d'un courant sur la mesure PA bêta, ça va être quoi? Ça va être 0 si l'ensemble des sources est différent de A. Donc en fait, c'est une mesure qui va être juste sur les courants dont l'ensemble de sources est A. Et pour ces courants-là, ça va être, ici je vais mettre proportionnel à, W bêta de N. Voilà, d'accord? Donc c'est concentré sur les courants avec source A. Et pour ces courants-là, c'est proportionnel, la proba est proportionnelle au poids que j'ai défini. Voilà, alors quel est le rapport avec le Schmidblick? Alors essayons de faire un petit calcul. Définissons Z. Essayons de calculer la fonction de partition à condition free pour le graphe G. Ah oui, j'aurais pu mettre G aussi là. Et là, c'est les courants. Ça, c'est pour tout courant N sur G. Sur le graphe G. Hop là. Définissons ZF bêta de A comme étant la somme, donc ça c'est une définition, c'est la somme pour toutes les configurations sur le graphe G de exponentielle de moins bêta fois le hamiltonien. Donc ça, ce serait juste la fonction de partition, mais je vais multiplier par cette quantité-là. Si vous voulez, c'est la moyenne non renormalisée du produit de spin au sommet de A. Donc si vous prenez A comme étant l'ensemble vide, vous obtenez quoi? Vous obtenez juste la fonction de partition. Vous comprenez l'intérêt de ça? C'est si je regarde par exemple la moyenne entre sigma x et sigma y. Ça va être quoi? Ça va être le rapport entre z de xy et z de l'ensemble vide. Donc ce type de quantité, les fonctions de partie, enfin les corrélations entre spin, c'est exactement des rapports de ce genre de quantité. Pour simplifier cette chose-là, je vais, à part quand je vais faire varier bêta ou g, et je vais juste enlever la dépendance en g bêta, et même dans pas mal de cas, je vais juste enlever la dépendance en f quand ce n'est pas évident dans le contexte. Donc je vais juste dire z de a. D'accord? Et pareil, je dirais w de n. D'ailleurs, j'aurais dû mettre w de g et bêta. J'enlèverais le g et j'enlèverais le bêta. Alors, cette quantité, est-ce que par hasard, je ne pourrais pas l'écrire en fonction des courants? Qu'est-ce que je peux faire? Donc cette quantité, c'est quoi? Exponentielle de moins bêta fois le hamiltonien en sigma. Je peux l'écrire comme le produit sur les arêtes de exponentielle de bêta sigma x sigma y. C'est exactement la même chose. Vous êtes d'accord? On néglige le terme supplémentaire. On néglige le terme de bord. Ah, alors là, je suis avec les conditions free, avec les conditions libres. Donc il n'y a pas de terme de bord. Je vais vous dire juste après ce qui se passe pour le terme de bord. C'est une bonne question. C'est un tout petit peu différent, mais là, je suis avec free, donc il n'y a pas de terme de bord. Maintenant, cette chose-là, je vais juste faire une expansion de Taylor. Donc, je vais dire que c'est
la somme pour nx, y égale 0 à l'infini de bêta sigma x sigma y à la puissance n de xy sur n de xy factoriel. Donc je fais une expansion pour chacune des arêtes et juste la variable, je l'appelle n de xy pour l'arête xy. Donc j'ai la somme d'un produit d'une somme. Maintenant, je vais essayer d'échanger les deux. Je vais échanger cette somme et cette somme. Donc de façon générale, je vais avoir la somme sur toutes les fonctions possibles n, donc sur tous les courants possibles. Après, je vais avoir des termes qui ne dépendent pas des configurations sigma. Et ces termes-là, si vous réfléchissez, vous allez avoir exactement le produit pour x, pour toutes les arêtes, de bêta puissance n de xy sur n de xy factoriel. C'est exactement tous les termes qui ne dépendent pas de sigma, ça va être ces termes-là. Pour chacune des arêtes, vous obtenez un bêta puissance n de xy sur n de xy factoriel. Et après, vous avez une somme sur les configurations. Donc, somme sur les sigma. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, pour les configurations, ce qui dépend des configurations, c'est que j'ai des produits de spin. Et donc, je vais avoir un produit sur tous les x. Sigma x a une certaine puissance. Et ce sigma x a une certaine puissance, bah, pour chacune des arêtes x, y qui ont x comme un sommet, je vais avoir un sigma x à la puissance n de x, y. Donc, je vais avoir en tout un sigma x à la puissance somme sur les arêtes incidentes à x de n, x, y. Somme pour y voisin de x de n de x, y. Ça, ce serait si je n'avais pas ce terme-là. Vous êtes d'accord? Ce serait exactement... Vous pouvez le refaire vous-même. Hein. Là, je ne vais peut-être pas passer trop de temps là-dessus. C'est vraiment un échange de sommes tout simple. Si j'ai ça en plus, bah, je dois juste faire attention qu'ici, je dois rajouter plus delta de x appartient à A. Si j'appartiens à A, je dois rajouter plus 1. Très bien. Donc ça, c'est le début de mon calcul. On va aller ici maintenant. Alors cette dernière somme, qu'est-ce qu'elle vaut? En fait, on peut quasiment finir ici. Cette somme, qu'est-ce qu'elle vaut? Pour chaque configuration sigma et pour chaque sommet dans mon graphe, je peux associer naturellement une autre configuration qui est la même configuration, sauf que le spin à x, je l'échange. Donc si c'était plus, je donne moins, si c'était moins, je donne plus. Cette involution, c'est une involution, hein, donc je peux faire un appariement comme ça des configurations deux par deux. Imaginez que ce terme, la somme de n de xy plus delta de x appartient à A, soit impair pour un certain x. Si ce terme est impair pour un certain x, alors la contribution de sigma et du sigma x, qui est la configuration où j'ai juste échangé le spin à x, bah les deux contributions, quelles qu'elles soient, elles vont être opposées l'une de l'autre. Donc quand je vais sommer, j'obtiendrai 0. Donc dès que ce terme-là est impair pour une certaine valeur de x, j'obtiens 0. Donc, et à l'inverse, si ce terme-là est toujours pair, du coup sigma x à une puissance paire, ce sera de toute façon 1. Donc je suis en train de sommer 1, donc j'obtiendrai juste 2 puissances, le nombre de sommets dans mon graphe. J'obtiens juste le nombre de configurations de spin sur mon graphe. Donc cette chose-là vaut 0 ou 2 puissances le nombre de sommets, et ça va dépendre juste des sources de n, en fait. Ce que je veux que cette chose-là soit toujours paire, ça veut dire que je veux exactement que cette chose-là soit impaire sur A et paire en dehors de A, donc je veux que les sources de n soient exactement A. Donc toute cette chose-là, ça va valoir 2 puissance le nombre de sommets fois la somme sur les courants ayant pour source l'ensemble A. Et cette chose-là, c'est exactement W bêta de n. Donc, proposition. Z de A, enfin Z de G bêta free libre de A, c'est juste 2 puissance le nombre de sommets fois la somme sur les courants ayant pour source A de W bêta de n.
Donc ça, c'est la première connexion entre nos deux choses. Donc en particulier, vous observerez un corollaire, enfin remarque. Du coup, si je veux calculer sigma, enfin le produit des sigma x pour x appartenant à A, si je veux regarder cette chose-là, ben c'est juste le rapport entre la somme sur les courants de type avec des sources à A et la somme sur les courants sans source du tout du poids W bêta de N. D'accord ? Parce que si je veux obtenir la corrélation de spin, je dois diviser par Z de l'ensemble vide, c'est-à-dire ça. Et le 2 puissance VG disparaît. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. On a exprimé les corrélations de spin comme des sommes sur les courants. Le seul petit problème, c'est que vous voyez, d'un point de vue probabiliste, là, on fall short from the right answer, d'un certain point de vue. On y est quasiment, mais on n'est pas... Ce n'est pas la probabilité de quelque chose, cette quantité. Pourquoi ? Parce qu'en haut, je somme sur des courants avec des sources, donc ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas du tout les mêmes objets en haut et en bas. Donc je n'ai pas d'interprétation en termes de P de A. Donc on verra comment on règle ça dans quelques minutes. Juste pour répondre à la question, que se passe-t-il quand je prends des conditions plus ? Donc, si je prends un graphe G, et je regarde les conditions plus, le Hamiltonien que j'obtiens, donc là, il faudrait peut-être enlever le jaune. Hein. Ici, je vous rappelle que les conditions au bord, c'est vraiment ça. Vous pouvez voir ce Hamiltonien comme le Hamiltonien, comme le Hamiltonien sur un graphe un peu plus grand, juste avec un spin qui est fixé. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un... Vous ajoutez un sommet, appelons-le G. Alors on l'appelle G parce que c'est appelé en général le ghost vertex. Et c'est... Donc ça en français, on n'aurait pas envie de l'appeler pareil, mais sinon c'est en fait Griffith ghost vertex. Donc pour Griffith, on va garder G. Et ce qu'on va faire, c'est que ce sommet, on va le relier à tout. Les sommets qui sont sur le bord de G, et juste à eux. Donc on ajoute une arête comme ça. Du coup, sur ce nouveau graphe que je vais appeler GG, sur ce graphe, H plus de G, c'est juste H normal, sauf que ma configuration, j'ajoute que le spin à G, c'est plus. Quand je fais le calcul là-bas, dans ce cadre-là, bah, tout va fonctionner de la même façon. Quelle est la seule différence ? La seule différence, c'est que je n'ai pas le droit de prendre la configuration qui inverse l'état de l'arête du sommet en G, puisqu'en G, je dois forcément avoir plus. Donc la seule chose que je vais avoir, bah, je vais obtenir la même chose, sauf que ici, l'ensemble des sources, je vais avoir que l'ensemble des sources intersectées avec G doit être égal à A. Donc si je regarde Z plus G bêta de A, qui serait par définition exactement la même chose mais avec exponentielle de moins bêta H plus G de sigma, cette chose-là, ça va être 2 puissance VG puisque ce sera de nouveau le nombre de configurations puisque je n'ai pas le droit de bouger le spin en petit g. Et là, je vais avoir la somme pour les sources intersectées avec VG égale A. Voilà. C'est exactement le même calcul. Donc ça répond à votre question pour les conditions plus, si on fait avec les conditions plus. Alors, voilà. Donc ça, c'est... le début de l'histoire, en quelque sorte. Et juste une petite chose. Je vous avais dit, c'est un modèle ferromagnétique. Donc en particulier, quand je prends les configurations, les corrélations de spin, on a envie de dire qu'elles sont positives.
Si sigma x est positif, ça devrait pousser sigma y à être positif. Donc la moyenne devrait être positive. Mais a priori, ce n'était pas totalement évident. Si vous regardez le calcul là, vous mettez x égale sigma x, sigma y, et vous essayez de montrer que c'est positif, ce n'est pas totalement évident, en fait. Bon, bah là, ça le devient complètement. Les corrélations, elles sont positives, c'est juste le ratio de deux choses qui sont positives. Donc cette inégalité qui vous dit, donc on a en particulier ce qu'on appelle l'inégalité de Griffiths, enfin la première inégalité de Griffiths. Qui dit que quel que soit l'ensemble A, les corrélations des spins sur l'ensemble A, et vous pouvez prendre free ou vous pouvez prendre plus, c'est la même chose, c'est toujours positif ou nul. Vous remarquerez aussi que dans le cas où vous prenez les conditions free, si vous prenez A impair, bah la symétrie globale des spins, échanger la configuration sigma avec la configuration moins sigma, bah ça devrait vous donner du coup que la moyenne vaut 0. Vous êtes d'accord? Si vous prenez on l'a dit pour un spin, si vous prenez la moyenne de sigma 0, si vous prenez condition free, à cause de la symétrie, ça vous donne 0. Vous pouvez faire le même raisonnement pour 3, pour 5, etc. Donc ça, vous pouvez le montrer directement, bien entendu. Comment on le vérifie là, dans notre cas? Bah tout simplement, ici, si vous prenez un courant, il a forcément un nombre pair de sources. Les sources viennent par pair. Donc du coup, si vous prenez A impair, vous allez obtenir que cette somme, elle est juste vide. Il n'y a personne ici. Donc c'est un sanity check, hein. Bien entendu, on pouvait le montrer directement, il n'y avait pas besoin d'aller par là. Mais effectivement, on obtient bien 0 pour A impair. On ne devrait pas obtenir 0 pour A quand on prend les conditions plus. Parce que pour plus, cet argument de symétrie ne fonctionne plus du tout. Mais dans le cas où j'ai plus, même si je prends A impair ici, je ne regarde que les courants dont les sources intersectées avec VG sont A. Donc le site G peut être une source dans le cas présent. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Quand A est pair, G ne sera jamais une source. Et quand A est impair, G sera toujours une source. Voilà. Et là, plus rien n'est incohérent. On a bien une quantité qui est toujours strictement positive. D'accord? Donc en plus, là, le plus grand ou égal à 0, on a une condition très simple pour montrer que c'est en fait strictement plus grand quand on prend condition plus. Et c'est strictement plus grand quand on prend un nombre pair dans le cas où on prend les conditions free. Oui? Est-ce que c'est correct de voir cette dualité comme une version discrète de la dualité entre le modèle de Heisenberg et le coulant gaz? Non, pas tout à fait. Enfin, en tout cas, je ne le vois pas de façon claire. Mais je ne connais pas très bien cette dualité. Déjà, pourquoi dualité? Puisqu'il y a ces deux approches pour représenter... Ah, donc juste en termes de représentation, donc voir ça comme une représentation de... Ah, alors ça c'est différent, ok. Parce qu'on parlera de dualité après, de transformation qui vraiment, quand on les applique deux fois, retombe sur... D'accord, je vois, excusez-moi, c'est moi qui étais... en termes de représentation, c'est plutôt les représentations... Ah, j'ai effacé, ah oui, parce que j'utilise plus du tout la hauteur du coup... Là, je vous ai dit qu'il y avait des représentations par marche aléatoire hein, qui avaient été introduites par Simanzik. Et en fait, c'est plutôt ces marches-là, ces représentations-là qui se généralisent à d'autres modèles de spin. Et c'est elles qui, par exemple, il y a une généralisation au cas d'Heisenberg. Et je pense que c'est plutôt dans cette direction-là. Ce n'est pas en termes de courant. Et du coup, le bon analogue, ce serait plutôt la transformation de Bridges, la représentation de Bridges, Frölich et Spencer. Je dirais, même si elles sont très proches. Mais le A, c'est comme des charges. Mais c'est la même chose dans les représentations par marche aléatoire. En fait, le A dans les sources, dans la représentation par marche aléatoire, ça va être exactement les endroits où commencent et finissent les marches. Alors, peut-être, laissez-moi faire un... Donc, ce sera peut-être plus... j'ai essayé de répondre à votre question. Mais vraiment, je pense que le bon analogue sera... j'ai effacé... Ça devient de... OK, bon. Bref.
vraiment le bon analogue, c'est plutôt la représentation BFS. Mais ça va peut-être répondre à votre question. Comment vous voyez un courant avec des sources? Donc un courant sans source, comment on peut voir ça? Comment on construit un courant sans source? Une façon de faire, c'est que vous pouvez dessiner une marche aléatoire, la trace d'une marche aléatoire, conditionnée à revenir un moment sur elle-même, d'accord? Donc une boucle aléatoire, et vous regardez le temps d'occupation de chaque arête, combien de fois je passe par chaque arête. Ça, par définition, ça va me donner un courant sans source. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'arrive à un sommet, je dois repartir. Donc les visites viennent par paire. Je fais une marche comme ça, je pourrais en prendre une autre. Donc une autre boucle aléatoire. Je fais la superposition des deux. Ça me donne toujours un courant aléatoire sans source. Je peux faire ça ad vitam aeternam. J'obtiendrai toujours un courant aléatoire sans source. A l'inverse, est-ce que tous les courants aléatoires peuvent être vus comme une superposition de boucles? Ce que vous pouvez faire, vous partez d'un point et vous épluchez votre courant aléatoire. C'est-à-dire que vous êtes en un sommet, vous prenez une arête qui a un courant positif, s'il y en a une, sinon vous arrêtez. Donc vous commencez à un endroit où vous pouvez vraiment marcher. Vous marchez sur ce sommet et vous retirez un au courant. Maintenant, vous êtes à un sommet qui avait avant source, pas de source en ce point, parce qu'elle n'avait pas de source du tout. Donc du coup, ça veut dire qu'avant la somme était paire, maintenant elle est impaire, donc ça veut dire que je peux continuer. Il y a forcément un des gars autour de moi qui a au moins un courant positif. Donc je continue, j'épluche de nouveau. Ouh, j'ai eu chaud sur ce coup-là. C'est dangereux le métier de mathématicien. Et je continue. Le seul moyen de m'arrêter, c'est de retourner à l'endroit où j'étais. Parce que sinon, je serais toujours à un endroit où j'ai une source maintenant, après avoir épluché, j'ai bien une somme impaire, donc je pourrais toujours continuer. Par contre, quand j'arriverai au début, puisque au début j'ai une source maintenant, quand j'arrive au début, j'ai aucune garantie que je peux continuer. Donc je fais ça jusqu'à ce que je ferme ma boucle. J'ai épluché, entre guillemets, un petit peu mon courant. Okay. Maintenant, je prends un sommet où il y a un courant positif voisin et j'épluche à partir de ce sommet jusqu'à ce que je referme. Je prends un autre gars, j'épluche. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je suis en train d'écrire une décomposition par boucle de mon courant. Elle n'est pas du tout canonique, hein, j'ai plein de façons de le faire. Mais je peux faire ça. Donc un courant, c'est bien une superposition de boucles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça un courant. C'est des eddy currents, ces choses-là. Maintenant, si je mets des sources, donc là, on va rejoindre la question. Si je mets des sources, comment je peux décrire ça? Ce que je peux dire, c'est que je me mets à un endroit où j'ai une source et je commence à marcher. Alors le problème, c'est que quand je commence à éplucher, à partir même de mon premier pas, il n'y a plus de source là, puisque j'ai enlevé 1. Donc j'ai absolument aucune garantie de revenir là. Par contre, je vais pouvoir continuer jusqu'à arriver où? Jusqu'à arriver à une source. En ayant fait ça, donc si j'ai, je sais pas si j'ai ça, donc en ayant fait ça, hop, après, je continue, voilà, j'arrive à mon autre source, voilà, on continue comme ça. Quand j'ai fini comme ça, j'ai épluché toutes mes sources et il ne reste plus que des boucles. Parce que maintenant, j'ai un courant sans source. Donc, un courant avec des sources, ça n'est rien d'autre que des chemins entre les sources et des boucles. Maintenant, ces chemins, intuitivement, il faut les comprendre en quelque sorte comme des marches aléatoires en milieu aléatoire entre ces points-là. C'est des marches très corrélées, mais c'est un peu comme des marches aléatoires. Et en particulier en dimension 4 et plus, l'idée c'est qu'ils se comportent vraiment comme des marches aléatoires. Donc de ce point de vue-là, on rejoint un petit peu l'intuition d'avoir justement ces marches qui sont spécifiques de ces modèles de Simondi. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est... mais on peut en reparler peut-être, mais... Dans le cas de Bridges, Frölich et Spencer, c'est vraiment directement des marches. Elles sont vraiment écrites comme des marches. Voilà. Bref, au moins, ça vous donnera une intuition de cette chose-là. Et c'est peut-être un bon moment d'arrêter sur un... Parce que donc, ce que je ferai la semaine prochaine, c'est essayer de se débarrasser de cette chose un petit peu ennuyeuse qui est que ce n'est pas des probas.
Donc la semaine prochaine, on va introduire un objet qui s'appelle, un outil qui s'appelle le switching lemma, qui va nous permettre en quelque sorte de réécrire ces corrélations de spin en termes de probabilité que certains courants fassent quelque chose. Et ça, d'un point de vue probabiliste, ce sera bien parce qu'on pourra étudier vraiment, d'un point de vue probabiliste, ces objets. Le coût qu'on va devoir payer, c'est qu'en fait, c'est pas la corrélation directement qu'on va étudier, c'est le carré des corrélations. Et c'est quelque chose qui est en fait très, très naturel. Donc on fera ça la semaine prochaine et on verra que ce carré, il ressurgit tout le temps, et en particulier le puissance 1,5 en dimension 4 et plus, en fait, ça n'est rien d'autre que c'est le carré qui va se comporter de façon linéaire, et donc on verra ça bien se déplacer, on verra ça tranquillement la semaine prochaine. Et puis après, on utilisera cette représentation en courant aléatoire pour étudier aussi la dimension 3 et la dimension 2. Voilà. Parfait.